The legend will never die. Je suis Monsieur K et je vais vous faire le point sur The Big Gameoski. C'est pas mal ton truc, tu devrais un petit peu insister sur le point parce que c'est important. Ah d'accord, le point, ok. Je vais lancer le générique et on en discute tout de suite après si tu permets, d'accord? Allez. On est parti. Et oui, ce soir une émission un petit peu spéciale puisqu'on a un guest et ce guest va se présenter de lui-même tout de suite, hein, je pense, puisque c'est lui qui va faire son shmup à lui, qu'il a sélectionné. Mais oui, bonjour, bonsoir, moi je suis Sébastien, et je travaillais à la chaîne de télé No Life, et ce soir je viens parler d'un shmup que j'aime beaucoup, mais qui n'est pas forcément super apprécié. Donc, voilà, c'est ça le petit truc. C'est pas un shmup qui est sur borne d'arcade déjà et d'une. Et d'une, alors là, oh là là, ni sur borne d'arcade, ni sur PC Engine, tu te rends compte? Et ça c'est dramatique, mais il est sur une petite console qui commençait à faire parler d'elle dans les mid-90s apparemment, qu'on appelait la PS1. Eh oui, puisqu'il s'agit de Philosoma. Philosoma, ouais, on sait que c'est un shmup qui est au minimum controversé, parce qu'en fait, c'est pas forcément un super shmup en soi, mais il a tout un tas de trucs qui font que, moi je l'aime bien. Donc tu sais qu'on va rentrer dans une zone très dangereuse où on risque de se mettre à dos les fans de PS1 et les shmuppers en même temps. Bon, moi en tout cas je me fais pas d'illusions, hein. J'ai fait des shmups, j'ai fait des vrais shmups, des gros shmups, je suis pas forcément ultra bon aux shmups, même si j'ai toujours ma PC Engine là dans mon placard. Philosoma, ce qu'il y a, c'est qu'il arrivait à une période un petit peu particulière où il avait la chance de pouvoir balancer un petit peu du lourd, où on était en attente sur PlayStation. Et je pense que la manière dont je l'ai vécu fait que ça a marqué un petit peu plus. Ce qu'on va faire, on va plonger dans le jeu pour regarder la tête qu'il a et de quoi on parle exactement. C'est parti. Donc, voilà l'animal. Ah, Philosoma, ça fait un petit moment. Alors déjà, il y a de la grosse séquence 3D pour l'intro, disons. C'est ça. Alors, ce qu'il faut voir avec Philosoma, c'est que c'est un jeu qui est arrivé vraiment au début de la PS1, même s'il a eu du mal, on va dire, à éclore dans son développement. C'est la boîte, Epix, enfin G-Arts, qui était connu pour être le développeur de Popolo Cloyce, le RPG. Ce qui n'est pas du tout une référence shmup déjà, ça c'est clair. Et en tout cas, là, il voulait faire quelque chose avec Philosoma qui tirait avantage des capacités de la PS1 qui était toute nouvelle. Donc, je te rappelle qu'elle est sortie en décembre 94, cette console. Et moi, j'ai eu la chance de pouvoir en procurer une japonaise le mois de la sortie. Et donc j'étais super chaud sur le planning de développement et de sortie des jeux japonais sur la PS1. Au début, on avait Ridge Racer, on avait Toshinden, c'était génial, c'était en 3D, ça bougeait. On venait de la Super Nintendo et de la Mega Drive, hein, c'était dingue. Y a un truc qui est quand même très très bizarre avec ce jeu, du coup, parce que il fait partie des titres de lancement de la console, et on peut se demander si c'est pas en fait un titre de commande quelque part de Sony, non? Je sais pas, mais il fait pas... Enfin, lancement,
Je suis pas sûr, parce que il est sorti quand même en juin de l'année suivante, donc plusieurs longs mois après la sortie de la console. Donc ce qu'il y a, c'est que la PS1 au début avait quasi pas de jeux, comme c'était généralement le cas sur les sorties de consoles. Or, par exemple la Switch, là où il y a eu justement Nintendo a assuré sur le coup. Mais sur la PS1, bah, c'était dur. Donc je te disais Ridge Racer, Toshinden, il a fallu attendre mars pour Tekken 1. Et bah, on n'avait pas grand chose à se mettre sous la dent avec cette super console toute neuve. Et là, Philosoma, en arrivant en juin 95, eh ben, il apportait quand même quelque chose de très très sympa. Et attention, je te parle donc toujours des dates japonaises, et je pense que c'est important dans la manière dont on aborde le titre. Parce que si on regarde du côté sortie occidentale, bah, il a fallu attendre évidemment un an de plus, quoi. Il est sorti sur le printemps 96, et là c'est vrai que ça commençait à faire un peu tard vu le jeu lui-même. Là ils nous tiennent le suspense, on n'a toujours pas encore vu le gameplay, il y a une méga grosse intro. C'est ça, mais alors quand on parle des forces de la PS1, il y en avait deux. Il y avait évidemment apporté la 3D, même si on aurait aimé un petit peu plus de correction de perspective sur le mapping et de lissage, mais c'était surtout la 3D, mais aussi c'était le média CD-ROM, et avec lui la possibilité d'avoir facilement des grosses cinématiques. Alors ça fait pas tout, bien sûr, loin de là, on l'avait vu sur 3DO déjà. Mais ça permettait d'ajouter des choses assez sympas et d'essayer de rendre, une histoire un petit peu plus habillée. Bah déjà oui, on a de la grosse histoire en comparé de tout ce qu'on avait dans les titres habituels, et ça fait partie de ce qui a apporté entre autres tout l'univers des consoles avec du CD-ROM, c'est que vu l'espace de stockage, les gars commençaient à se lâcher apparemment sur les scènes intermédiaires, les scènes précalculées, voire de la vidéo aussi. C'est ça, et il fallait en mettre plein la vue, et effectivement, Philosoma se place en tant que shooter SF en essayant d'apporter un scénar. Alors c'est pas un scénar super super évolué, c'est des forces spatiales qui découvrent un signal de détresse sur une planète et qui envoient leurs intercepteurs pour aller voir ce qui se passe. Les intercepteurs, c'est les Strega. Et c'est un petit escadron qui arrive sur la planète, mais comme tu t'en doutes, ils vont trouver plein d'aliens, des problèmes, et en fait une planète complètement infestée jusqu'au cœur, et c'est un petit peu les mauvaises surprises. Mais on a le bon point, c'est qu'on y arrive un petit peu progressivement, et qu'on va commencer à s'infiltrer à travers déjà les installations au sol de la planète avec ses petits camarades, et puis après essayer de s'introduire jusqu'au sous-sol de la planète. Phase 1, enfin le gameplay, on veut le voir. Subtilité de Philosoma, ce qui a défini vraiment tout le jeu, c'est que c'est un shooter multi-angle. Alors, en tant que shooter, c'est vrai qu'il n'est pas ultra extraordinaire. Bon, t'as quelques armes différentes, t'as un shield, t'as un petit peu de texture sur tes ennemis et tes astéroïdes, ce qui n'y avait pas forcément beaucoup à l'époque. Mais c'est un shooter qui est décomposé en fait en phases, et à la fin de chaque phase, tu vas avoir un changement de caméra. Et le jeu va se transformer. Il va passer de shmup vertical à horizontal, à shmup 3D en fait, un petit peu à la troisième personne. Avec le vaisseau qui plonge vers le fond de l'écran, et même parfois 3D à l'envers, où tu es poursuivi par une menace et il faut essayer juste de survivre et d'éviter ce qui t'arrive par derrière, avec une vue troisième personne inversée. C'est le gros gimmick du jeu, voilà. Je pense que c'est là où le jeu a gagné des gens qui ne connaissaient pas trop l'univers des shmup et qui s'y sont intéressés du coup, parce qu'ils étaient quand même esbrouffés par les performances qu'on leur présentait, et puis la diversité du gameplay du coup. Et c'est là aussi où ils ont dû perdre les shmuppers, parce que eux, ils préfèrent en général un gameplay qui est bien posé et qu'il faut travailler, qu'il faut roder. Et donc je pense qu'ils devaient se traîner auprès des shmuppers une réputation de party game du shmup quelque part entre guillemets. Oui, et puis même on peut reconnaître, en soi le jeu n'est pas forcément ultra difficile, ultra complexe. Ce qu'il apporte, c'est des choses au niveau de la présentation,
surtout. Et voilà, c'est pas une qualité en soi sur laquelle tu vas le ranker dans les meilleurs shmup ever. Mais là, comme tu viens de le voir là sur la petite démo qu'on regarde, en fait, à chaque fin de phase, le vaisseau va se recaler à un endroit spécifique et on va avoir droit à une cinématique qui fait l'enchaînement et le changement de perspective. Donc là, sur la toute première phase du jeu, on passe de vue de haut à vue d'en dessous. Et c'est-à-dire qu'on a en décor dans le ciel, en fond d'écran. Donc les développeurs essaient d'adoucir un petit peu le passage, on garde le même niveau de gameplay sur le départ. Mais c'est vrai que ça apporte des changements assez cocasses et du coup, il faut arriver à maîtriser un petit peu toutes ces modalités de shoot pour vraiment entrer dans le jeu quoi, et aller là. D'accord. Niveau de difficulté, donc tu dis c'est average, on va dire. Oui, carrément, parce que le jeu en fait a la particularité d'avoir des fins différentes suivant le degré de difficulté. Pour vraiment le finir, il faut aller jusqu'au mode le plus dur. Et je l'avais fait à l'époque, alors que je ne suis pas une super flèche au shmup, donc je pense qu'en tant que je vais me poser là en tant que benchmark et dire que c'est quand même faisable quand on s'accroche et qu'on s'y met un petit peu pour le commun des mortels. Après, tu peux aller dans le scoring, évidemment, comme d'habitude, mais c'est même pas un jeu où tu as des mécanismes de scoring vraiment intéressants. Alors, c'est marrant parce que je suis en train d'en parler en disant que j'aime bien, mais je suis très réaliste, pour être honnête, sur ce qu'il apporte au genre. Ce qu'il faut voir, c'est que, au niveau du gameplay, il est très moyen. Enfin, il se joue, mais il n'a pas de trucs super fantastiques. Par contre, il amène des choses assez intéressantes dans son design, son histoire de SF, même si elle est bateau, elle est quand même assez sympa avec des choses assez bien fichues dans les aliens et leur contamination au niveau des vaisseaux. Les vaisseaux sont chouettes, ils marchent bien au niveau amateur de mecha. Et surtout, le jeu a un super sound design, je trouve, et de super musique. Le sound design, tu l'as peut-être entendu dans les cinématiques, mais il y a pas mal d'effets assez sympas. Et les musiques ont été composées par Ko Otani, qui est un compositeur qui a fait un petit peu de jeux vidéo. Un tout petit peu. On a parlé avant de commencer à enregistrer, c'est vrai qu'il a fait Shadow of the Colossus, par exemple. Et le remake de 2018, ok. mais on le connaît aussi beaucoup dans les animés, puisqu'il a fait Gamera, effectivement, je crois. Hein, ouais, c'est ça. Il a bossé sur Godzilla et les Gamera, Gamera, Gamera 2, Gamera 3. Mais dans les animés, il a fait Saved Dark Formula, il a fait Yorander Arrest, Gundam Wing, Aishil 21, pour des choses un petit peu plus récentes. Il a travaillé sur Dotac et il est toujours actif de nos jours. Et je pense qu'il a apporté quelque chose là dans Philosoma, où si tu veux, on a un package qui est assez moyen niveau gameplay, mais qui a un enrobage qui vaut vraiment le coup, pour être honnête. Il vaut vraiment le coup, et si tu... Là dans la vidéo qu'on regarde, donc on a du gameplay du jeu, une fois qu'on est passé en mode 3D, on va vers le fond de l'écran. Et mine de rien, c'est quand même une sensation assez curieuse de trouver les armes qu'on avait l'habitude d'utiliser en vidéo, ou même de profil, de les retrouver en 3D. Et de s'en servir de cette manière, ça demande de jouer un petit peu différemment, de penser un petit peu différemment le jeu. Finalement, moi, c'est Philosoma, pour moi, c'est une expérience un petit peu complète, où on va apprécier une histoire bateau, mais sympa, bien faite, bien enrobée, avec des belles production values, et surtout un univers assez complet au niveau gameplay, où on va finalement se retrouver, bon, on a des boss, mais on a aussi ces phases 3D un petit peu novatrices. Mine de rien, il apportait quelque chose de nouveau, et cet exercice assez casse-gueule, hein, de changement de caméra continu, n'a pas vraiment été reproduit depuis, à ma connaissance. Ouais, c'est vrai. Mais bon, il reste toujours ce petit côté où t'as quand même... Moi, je me fais avocat du diable. Hein. Je suis avec les gens encore méchants. et du coup, t'as toujours quand même cette petite sensation d'assemblage de scènes indépendantes qui, c'est bien fait, sont rassemblées autour d'une mise en scène qui est bossée.
Mais du coup, le gameplay, là, par exemple, moi, ça me fait penser à Space Harrier plus qu'à autre chose, quoi. En 3D, bah, évidemment. Mais sauf que bah, t'as pas forcément le rythme de Space Harrier assez freiné sur le déroulement du décor. Et bon, et là, j'ai envie de dire que les ennemis sont globalement moins gros que dans Space Harrier au niveau de la manière dont ils se rapprochent. Mais le gameplay, oui, on peut dire, il est un petit peu similaire, effectivement. Donc il est assez incroyable ce truc, parce que du coup il fait du spectaculaire, ça me rappelle un petit peu cette génération des jeux FMV qu'on avait, ou assimilés, genre je sais pas si tu as connu un truc qui s'appelait The Daedalus Encounter. Oui, bah, je connais ce titre, avec je l'ai pas vraiment pierre. Joué moi, mais avec il est connu, c'est une référence. Et pareil sur le design, ça me fait un petit peu penser à ce jeu là aussi, on met un petit peu du bio avec du mécanique, des trucs comme ça, c'est assez marrant. Bah ils ont fait leur petit truc. Moi écoute, j'avais kiffé cette expérience Philostoma sur la PlayStation bah, japonaise du coup à l'époque. Et c'est vrai que en allant au Japon, je m'étais procuré le Perfect Guidebook de Philostoma, The World of Philostoma, sorti en 95, et qui vient avec un petit CD, une compile de cinématiques en fait. Du jeu, quelques interviews des développeurs, mais aussi pas mal de croquis. Et mine de rien, il y a quand même eu du soin vraiment qui a été apporté au design de ce petit univers contenu là sur cette planète avec ses aliens. Qui n'est pas extraordinaire encore une fois, mais qui a été fait avec soin. Et moi j'aime bien. Voilà. Les années mid-90, c'est un passage un peu bizarre pour tout ce qui est shmup, puisque en général, tout ce qui était traité en crash boulette, ça a basculé de simple beatmap vu de dessus ou vu de côté à bah, des objets qui sont devenus en 3D progressivement. Et au début, les puristes ont quand même fait pas mal la gueule parce que ça n'avait pas la souplesse. Oh bah oui, puis c'est. Je pense, tu sais, de toute façon, que pour un shmup, je préfère clairement la 2D et des pixels bien définis. Il n'empêche que on peut apprécier les deux sans trop de soucis. Hein. Bah, il existe des titres, il existe même des titres extraordinaires. Je sais pas si tu as entendu parler de la trilogie Ray, les Ray Force, Ray Crisis. Oui, oui. Bah là, tu vois, c'est pour moi, Storm, si je ne m'abuse, c'était quoi? C'était le titre occidental. Storm. Ouais. Et ça c'est typiquement l'exemple l'autre côté de la barrière avec des titres qui se servaient plus de la 3D pour faire vraiment un shmup pur et dur qui lui, enfin ça c'est des références qui sont reconnues par tous. C'est pas du tout l'optique, c'est vraiment l'optique inverse de Philosoma et de son grand spectacle, même si les Restorm et autres faisaient quand même bien kiffer au niveau de la présentation. Et surtout au niveau de la visibilité, c'est là où ces titres en fait ont vraiment marqué tout le monde. C'est que quand ça balbutiait sur les premiers titres 3D, on avait de la volonté, des bonnes idées, des concepts assez géniaux que les gens commençaient à développer, mais on avait une lisibilité qui était très souvent horrible à cause de la résolution. À cause de la résolution, effectivement. À cause du traitement des plans aussi, parce que c'est très très important de dissocier les plans pour avoir une belle lecture à l'écran, que le joueur sache tout de suite où il en est sans réfléchir. Et c'est vrai que la collection des Ray a apporté une gestion justement sur les plans d'une intelligence et d'une subtilité rarement vue jusqu'à l'époque, quoi. Tout à fait. Mais après, voilà, donc Philosoma, du coup, qui reste un jeu qui n'est pas forcément ultra long en soi, il trouvait le moyen, enfin, excuse-moi, je saute du côté d'Alan, mais c'est parce que je suis en train de feuilleter le Perfect Guide en même temps. Ouais. Ah, et ça me rappelle des passages. Moi, ça m'a choqué, ce vaisseau gros comme une pastèque au milieu de l'écran. Ouais. Donc, on a établi qu'on pouvait avoir différentes vues, de haut, de dessus, de dessous, en avant, en 3D, en arrière. Mais ils sont allés encore plus loin que ça avec cette caméra, et c'est ça que je trouve fort. Donc là, on est en train d'assister à une phase de côté, mais zoomée, avec le vaisseau qui est beaucoup trop grand. Après, on a droit à des zooms de caméra, mais on va avoir aussi des phases de côté qui sont pas sur un plan, sur le plan de l'écran, mais qui ont de la profondeur. Et ils ont vraiment embrassé, comment dire en anglais, ils ont pris ces possibilités de caméra et ils se sont dit, il faut qu'on aille le plus loin possible et qu'on
qu'on fasse un petit effet là waouh aux joueurs qui... Et c'est vrai que ça peut devenir un petit peu compliqué de gérer de la 2D en profondeur, tu vois, de, sur le plan sur le un shoot horizontal mais avec de la profondeur. Ça c'était rigolo. Et ils se sont gardés quelques séquences un petit peu innovantes comme ça dans le déroulement des différentes phases du jeu pour que tu aies toujours un petit peu de surprise dans l'aventure. Et donc c'est vrai que même si tu allais un petit peu plus loin, bah, des fois tu pouvais te retrouver avec des mécanismes auxquels tu t'attendais pas à devoir acquérir. Est-ce qu'il est très très long en fait ce jeu, quand on fait tout le run en complet? Non, il est pas si long que ça. Je crois que c'est moins d'une heure, clairement. Enfin, après il y a long et long, tu vois. Ce qu'il y a avec Philosoma, c'est que t'as des cinématiques. Et ces cinématiques, bon bah c'est sûr, ça rajoute de la durée dans le run si tu les regardes, si tu fais vraiment l'expérience Philosoma, quoi. Mais ces cinématiques, si je ne m'abuse, je vais pas dire de bêtises, mais je pense que tu les avais qui jouaient aussi parfois en fond pendant le gameplay, et ça c'était quand même assez kiffant. C'est en tout cas le souvenir que j'en ai. Là voilà, tu vois une séquence sur le dont je te parlais avec la profondeur en vue de côté. C'était une partie un petit peu retorse celle-là, parce que tu changeais d'une vue de côté classique à une vue de côté avec profondeur, et du coup tes repères étaient un petit peu bousculés. Ah mais tu n'as plus le droit de t'élever en hauteur maintenant ? Non, tu dois rester au ras du sol dans cette version-là, et tu ne peux que faire gauche-droite, mais c'est-à-dire en vue de côté, c'est-à-dire soit tu te rapproches du bord de l'écran, soit tu t'enfonces dans la profondeur. Je sais pas si c'est très clair à l'audio, mais... Bon, c'est très clair, c'est limpide. Et oui, comme tu le vois peut-être, les Strega, donc les vaisseaux, ont un petit mode de survol en fait. Je n'ai pas sans rappeler Macross et les Valkyries. Angaroc, exactement. Et évidemment, ça me parle un petit peu. Pendant qu'on regarde ça, tiens, tu vas nous parler de ce à quoi tu joues maintenant, peut-être un peu. Ce à quoi je joue en ce moment. Bah écoute, c'est pas forcément un scoop. Je peux te dire que j'ai vraiment kiffé Monster Hunter World. J'ai beaucoup joué avec des amis, j'avais fait la critique sur No Life avant que la chaîne s'arrête, et ça a été des mois et des mois de kiff et de chasse, en fait, de chasse aux monstres. Et ça n'a pas été détrôné depuis ? Si, il y a toujours des classiques en fait qui m'accompagnent. Je joue toujours de nos jours à Factorio, qui est un jeu d'automatisation. On va dire, où tu joues un ingénieur qui s'est écrasé, dans le vaisseau s'est écrasé sur une planète alien, et qui va miner les ressources et organiser des méga-bases. Qui est un jeu qui est toujours en accès anticipé, et en fait, j'y avais pas touché pendant des mois et des mois, et puis là, avec une nouvelle version et des nouveautés, c'est toujours agréable de s'y remettre. Factorio, ça reste un truc que je kiffe vraiment de manière assez extrême. Et puis il y a eu le dernier expansion pack de Civilization 6, là, Gathering Storm, avec le réchauffement climatique. Ça, c'est une grosse nouveauté pour Civi. C'est vraiment assez kiffant. J'avoue que pour l'instant, je suis plutôt du genre à faire monter, à faire fondre la calotte glaciaire un petit peu trop. Quelques particules. C'est quand la simulation se rapproche de la réalité, quoi. Mais carrément, Civi, c'est ça aussi. Hein. C'est ça aussi. Alors là, il est poursuivi dans un tunnel, le gars. Ouais. Tiens, en parlant de caméra, est-ce que tu as essayé Devil May Cry 5 ? Non, pas encore. Je pense que je vais m'y mettre à un moment, mais j'étais occupé, je cherchais. Il y avait un jeu que je voulais citer, que j'avais fait là, que récemment, c'était il y a quand même quelques mois, c'était Dragon Quest 11. Le fait qu'ils sortent sur PC, qu'on puisse y jouer en grosse résolution, gros framerate, toutes les options. Tant ce qui arrive sur PC, c'est une grande libération. Ouais, bah pareil pour Monster Hunter World, hein, c'est que j'ai fait vraiment moi-même sur PC. Dragon Quest, c'est une grande histoire d'amour.
Et ce 11 a été vraiment, vraiment chouette à faire, j'ai bien aimé. Moi je te parlais de Devil May Cry 5 justement par rapport à ces histoires de caméra dont on parlait. Où moi bah, je suis fan de la première heure, hein. Quand j'ai acheté ma PS2, c'était pour le Gran Turismo et le Devil May Cry. Ouais. Et donc, j'ai toujours suivi. En parlant de console qui avait pas de jeu au démarrage, la PS2 c'était dur. Hein. Oh là là. Mais oui, c'est toujours dur de toute façon les démarrages. Mais bon. Et donc, du coup, bah, ce Devil May Cry 5, lui, il m'a quand même retourné. Pas sur le côté jeu où tu joues, tu fais ta partie, tu t'éclates, tu fais ta boucherie, c'est normal. Mais sur la partie technique où tu prends ta partie, tu la regardes, tu ne joues plus, tu es spectateur. Et tu regardes la façon dont est gérée la caméra. Et c'est une grande leçon, quoi. C'est une grande leçon pour tous les. C'est dur, les caméras. Hein, enfin... C'est extraordinaire le boulot qu'ils ont fait. C'est très très dur les caméras. Moi je suis ingénieur de formation, ce qui explique peut-être Factorio, mais si tu essayes de coder une caméra dans un univers 3D, tu t'aperçois vite que c'est pas du tout évident, dans le sens où tu n'es pas fixe derrière un joueur, tu dois essayer de t'accorder avec d'une part le décor, mais aussi avec ce que le joueur essaye de voir, essaye de faire. Et c'est très très difficile, le tout en restant fluide dans la présentation et en restant le plus discret possible. Une bonne caméra, c'est une caméra que tu ne remarques pas et qui te montre des choses les plus spectaculaires possibles. Ah bah, là, tu verras, je te souhaite de, à défaut d'y jouer, de regarder quelqu'un y jouer. C'est state of the art, comme on dit. C'est un niveau de maîtrise, comme moi, personnellement, j'avais jamais vu ce niveau de maîtrise-là. Sur une gestion de caméra, sur combien fait le full run, il doit faire 12-13 heures. Sur 12-13 heures, deux fois j'ai dû reprendre la caméra. Et la caméra, pendant les combats, se permet des changements d'angle qui sont judicieux, quoi. Où tu peux continuer, ça ne nuit pas à ton gameplay. C'est du John Woo en jeu vidéo. Ah bah, ça a toujours été Devil May Cry, c'était quoi, stylish combat, stylish action, je sais plus quoi, mais l'important c'est stylish. Il faut que ça ait du style, sinon. Sinon rien n'a de sens. Tiens, ça me fait penser du coup, t'en penses quoi du marché, du monde du jeu vidéo maintenant, ce que c'est devenu, comment ça a évolué, je sais pas, t'as une partie les médias. Est-ce que toi t'as des médias que t'aimes beaucoup aujourd'hui, tu vas chercher tes infos où? Tu fais comme tout le monde, tu butines sur le net? J'ai toujours eu pas. Enfin, j'ai toujours eu pas mal d'affinités avec Gamekult. Mais j'ai tendance à essayer de multiplier mes sources d'infos. J'ai vécu dans ma jeunesse un petit peu en Amérique et c'est vrai que je regarde aussi toujours beaucoup les news américaines, que ce soit dans la vie ou dans les jeux vidéo. On peut dire qu'il y a, certains subreddits comme Air Games qui sont vraiment de qualité, c'est beaucoup de travail de modération. Et là, bah, si tu as suivi un petit peu l'actu, les grosses news, c'est l'article de fond de Jason Schreier sur Kotaku, sur Anthem et BioWare, il a obtenu pas mal de témoignages internes sur le développement du jeu. Et c'est assez intéressant, c'est assez triste aussi. L'article se retrouve facilement, il est, je pense, un must-read sur le monde du développement du jeu vidéo aujourd'hui, où on voit si tu te souviens, BioWare a été racheté par Electronic Arts, et du coup au bout d'un moment, bah, sans doute les habituelles clauses après rachat, les créateurs doivent rester un temps et puis après bon, bah, ils peuvent toucher leur chèque et partir. Donc effectivement les créateurs sont partis et je leur souhaite le plus grand bien là aujourd'hui. Et du coup, effectivement, il y a eu après un moment c'est un petit peu la débâcle en un sens pour BioWare avec Mass Effect Andromeda qui a pas su convaincre et Anthem là qui sait pas trop convaincre non plus. Oui, qui a beaucoup de soucis. Ouais, le jeu est pourtant vachement bien, hein, mais c'est vrai que c'est les aléas du multi, j'ai l'impression. C'est-à-dire que quand tu lances un multi, il a une période de vie et puis une période de péremption, j'ai l'impression. En fait, si tu veux, l'histoire de ce que tu peux lire en compte rendu sur les développements de aussi bien de Mass Effect Andromeda et de Anthem, les problèmes sont un petit peu similaires, où tu avais beaucoup d'indécision et beaucoup de
de t'engager en fait à essayer de trouver quelque chose, de partir sur un axe, puis de changer, puis de refaire, et puis c'est assez délicat. Je dis pas que je détiens la solution miracle moi-même, ça ce serait une belle bêtise. Mais c'est vrai qu'à des moments, il y a sans doute des besoins de vision claire. Et ce qui est... Même si parfois ça peut amener dans des mauvaises directions, mais il y a eu apparemment beaucoup de souffrance sur ce développement. Sur 7 ans de développement de Anthem, le jeu a été vraiment fait seulement sur la dernière année. Et il y a eu beaucoup de burn-out de la part de développeurs. Donc, c'est pas génial. Surtout, c'est pas des pratiques très très saines pour les développeurs eux-mêmes. Et après, il y a beaucoup de gens qui jettent la pierre à Electronic Arts en lisant cet article, qui imposait certaines choses, qui va laisser au jeu la chance de naître comme il se doit. Mais je sais pas si Electronic Arts est tant à blâmer que ça. J'ai l'impression quand même que le fait d'être intégré comme ça par une structure beaucoup plus grosse, il y a des désavantages clairs. On le voit dans l'article, comme quoi les meilleurs développeurs étaient piqués à l'équipe pour aller aider sur FIFA ou d'autres choses. Ok, ça c'est sûr, ça aide pas. Mais après, ça place aussi le studio dans une situation où il a moins de stress par rapport à la sortie du jeu, par rapport à un plan clair. Ils ont plus le temps d'essayer de se poser et de trouver des choses. Et j'ai l'impression que ça peut être aussi un effet pervers où quand t'es petit indépendant, t'as pas trop le loisir de trop traîner. Tu dois sortir des trucs même si c'est pas génial et même si c'est pas la bonne solution à la fin. Et là, ils ont eu... c'est vrai que ça paraît fou, hein, sur 7 ans, d'avoir 6 ans de recherche, de changement, de... Ouais, c'est l'opposé total de ce qu'on a dans les jeux de production, hein, c'est-à-dire où t'as l'itération numérotant du jeu de foot ou du jeu d'aventure connu qui va sortir. Mais c'est pas facile. C'est aujourd'hui, du jour de l'enregistrement, un des producteurs célèbres de l'ancien BioWare qui était parti, qui est revenu et qui a qui promet, enfin, une lettre interne à la compagnie, à la société, d'adresser ses soucis. Mais après, même si on voit des choses qui sont pas géniales du tout et même répréhensibles dans l'article, ce qui est triste d'après le reporter qui a fait le dossier, c'est qu'il a reçu beaucoup de messages de la part de développeurs qui disaient écoute, ce que tu écris là sur BioWare, j'ai l'impression que c'est ce qui se passe à ma boîte aussi. Et il a reçu ça apparemment de pas mal de monde. Donc le jeu vidéo, c'est bien un art, quoi, parce qu'on a cette opposition de besoin de créer, d'avoir des champs de liberté pour pouvoir exprimer les idées qu'on avait définies au départ et s'en rapprocher le plus à la réalisation, avec derrière cette contrainte de ça se budgète. Bah ouais, mais ce que je disais, c'était que justement, peut-être pas été assez forcé de budgéter. Ils ont peut-être eu trop de liberté pour se perdre finalement, et je sais pas. Il y a certainement eu des problèmes de tous les côtés, et en tout cas ça a été mal géré globalement. Le truc qui est bien derrière, c'est qu'on n'a pas que ces cas-là, puisqu'on a aussi des petits studios, voire même des fois des gars quasiment tout seuls, qui arrivent à sortir des produits qui se rapprochent, qui n'ont pas la dimension d'un AAA, mais qui s'en rapprochent pas mal, puisqu'ils ont les bonnes inspirations, ils apportent des bonnes nouveautés. Et là, je te parle, par exemple, je sais pas si tu en as entendu parler, de Omno. Non, pas du tout. C'est un espèce de journey-like. Journey-like développé par un gars tout seul. C'est un gars allemand, je crois. Attends, ça me dit quelque chose. Je l'ai chroniqué et ce truc, il est à tomber par terre. Parce que le gars a tout compris. Il a fait son crowdfunding. Il l'a largement dépassé. On lui souhaite, en fait, de pouvoir s'entourer des gens qui manquent. Parce que pour la musique... il faut quelqu'un qui est quand même musicien, tu peux pas être tout le temps et programmeur et musicien. Oui, c'est très rare ça. Et puis pareil pour les graphes, s'il avait quelqu'un pour le soulager de cette tâche là, il pourrait bosser encore plus sur les gameplays parce qu'il semble maîtriser, je crois qu'on n'a pas trop de leçons à lui faire au gars. Et du coup, d'une structure toute légère comme ça, fin d'année, logiquement, on devrait avoir une espèce de journée-like, un journée plus on va dire, qui va sortir et dont on reparlera, je pense. Eh ben écoute, très bien.
Est-ce que tu as des très projets, bien. toi, de ton côté? Alors ouais, tu auras peut-être remarqué effectivement que l'aventure de No Life s'est terminée l'an dernier. On fête les 1 an de la fin, ce qui est bizarre à fêter en soi, mais C'est c'est vrai que magnifique. c'est un événement qui nous a pas mal marqué. Qui explique le jour de diffusion de ce stream d'ailleurs. Tout à fait. Et après la fin, l'équipe effectivement s'est dispersée. C'est le cas normal, le cas classique. On n'était pas du tout en situation de remonter de nouveaux projets. Moi, depuis, je travaille sur le festival Japan Expo, où je m'occupe de pas mal de projets là sympas pour l'édition qui arrive là cet été sur le 20e anniversaire. C'est pas en train de devenir super méga trop énorme ce truc? Japan Expo, oui, c'est très gros. En visite moyenne quotidienne, c'est le troisième festival de France. C'est Ça doit être assez impressionnant. fou derrière l'agriculture et l'auto. Ça doit être impressionnant sur l'organisation. C'est beaucoup, beaucoup de monde et c'est beaucoup de travail tout au long de l'année pour arriver au résultat du salon. Et ce qui est intéressant, c'est que. Alors, on va arriver à faire un petit truc sur No Life à Japan. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'équipe de France 5 sera sur place. Tu connais France 5? Eh bien, le problème, c'est que j'ai un problème avec les gens qui s'habillent trop moulants, quoi. C'est pas mon trip. Ah, c'est très difficile. Je te parle d'expérience, c'est très peu flatteur comme tenue. Si t'es pas nickel corporellement, tous les défauts se voient. Mais j'ai vu passer de beaux documents récemment sur Twitter qui parlaient d'une réincarnation de France 5. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que c'est en 2019, c'est comme le 20e anniversaire de Japan Expo. Et on a voulu marquer le coup avec l'équipe en faisant quelque chose. Alors non, c'est pas un nouvel épisode parce que d'une part, la série est finie. Il y a une fin, voilà, et il n'y a pas de plan d'aller plus loin. Et on n'a plus le temps ni les moyens de faire un épisode vidéo normal, même comme ça aurait pu être intercalé dans les épisodes avant la fin. Par contre, on a voulu faire un truc et du coup on a décidé de faire un épisode audio seulement. Et ça c'était beaucoup plus réalisable. Et en fait on a retrouvé un scénario qu'on n'avait pas exploité. Parce qu'à un moment il fallait qu'on finisse la série, au niveau planning on s'en sortait plus. Il fallait qu'on boucle et qu'on voulait terminer proprement. Et c'est vrai qu'il y avait un épisode qu'on avait dans la besace, quoi, hein, qui était potentiellement réalisable, qu'on n'avait pas fait. Et c'est cet épisode qu'on a ressorti pour en faire une version audio. On l'appelle l'épisode, je crois, 3.5, enfin, il s'intercale grosso modo entre le 3 et le 4, au niveau de la chronologie de France 5. Et il viendra pas seul cet épisode audio, apparemment. Ouais. Et on a décidé de faire un truc un petit peu rigolo, c'est que cet épisode audio soit en fait un livre-disque. Livre-disque, c'est un ancien concept, L'explique, oui, parce assez que tout le monde ancien. a connu et les gens la risquent de ne pas avoir connu. Moi, je me rappelle de Pierre et le Loup, pour être précis. Mais oui, il y avait en gros, avant le la possibilité d'avoir des épisodes en vidéo. On avait des épisodes en audio avec un livre d'illustration qui accompagnait. Et l'audio, c'était une narration avec des voix et un petit signal sonore, une clochette ou un effet spécial sonore qui te donnait l'instruction pour tourner la page en fait et avoir l'illustration suivante qui illustrait la partie suivante de l'histoire. Est-ce que le vice est poussé à ce que ce soit en édition vinyle? Oui. Oh. Bien sûr. Bien sûr, tu auras droit à ton effet spécial pour tourner la page en audio et une édition, un pressage vinyle. Et tu pourras trouver ça à Japan Expo là cette année. Ça devrait être assez sympa. C'est trop bien. Et puis non, on a pris beaucoup de plaisir en fait à le faire puisque toute l'équipe a répondu présent tout de suite.
Quand on écoute les premiers rendus là, de ce sur quoi on travaille là, c'est vraiment ça, quoi, comme à l'époque. Alors, faut voir que France 5, je sais pas s'il y a encore beaucoup de fans aujourd'hui, c'est un projet assez ancien, c'est un projet qui a commencé alors qu'il n'y avait pas YouTube, tu vois, enfin, tu téléchargeais les épisodes en petite qualité avec ton modem, c'était chaud. Elle est au 56K. Après, il y a eu des diffusions télé sur Game One, puis sur No Life, donc ça a aidé, mais... Et tu crois que ça donnerait envie de relancer le truc, peut-être ? Non, parce qu'il n'y a pas de truc à relancer, comme je te disais, c'est fini. Là, c'est juste qu'on a voulu marquer le 20e anniversaire d'un projet qui nous a quand même beaucoup sollicité. Si tu regardes, pour nous, France 5, c'est une aventure qui aura duré 14 ans. Et puis c'est apparemment aussi de belles opportunités de se rencontrer avec des gens avec qui vous partagiez les mêmes amis. Tout à fait, oui. C'est parce qu'on bossait bien ensemble sur France 5, qu'on a eu envie de travailler ensemble professionnellement avec Alex Pilot, et qu'on a monté une société de production, et puis après une chaîne de télé, No Life. Donc tout est parti de là, et du fait que moi et d'autres, on était fans du travail d'Alex sur les Beatomans. Et des gens aujourd'hui viendraient, diraient... Tiens, j'apporte le budget, les partenaires, on redémarre une chaîne de jeux vidéo, tu dirais quoi ? Ah, je suis pas sûr que ce soit pertinent de faire de la télé de nos jours. Ouais. C'est assez... Ça peut peut-être choquer ce que je dis là, mais en fait, comme j'ai vécu la situation de la télé pendant un paquet d'années, c'est difficile. Le modèle qu'on avait, on a tenu... vraiment longtemps comme on pouvait, avec le soutien vraiment des spectateurs qui ont rendu la chose possible, mais c'était vraiment vraiment dur. Donc, tu peux pas, tu peux si tu veux faire une chaîne de télé, mais faut pas faire juste une chaîne de télé, faut faire quelque chose qui aille plus loin, avec quelque chose d'un média complet, avec de la vidéo aussi sur le net, d'autres choses. Les moyens sont un peu les mêmes au niveau technique, donc, de toute façon ça se recoupe, mais on avait toujours des idées sur la fin de No Life, les idées ça manque pas, mais on a été étouffés vraiment par le manque de moyens, par les coups durs successifs, et malheureusement, c'est juste plus possible. Et puis l'univers télé, quand tu regardes ça de l'extérieur, que tu connais pas comment ça se passe dans les coulisses, mine de rien, t'as vraiment l'impression que c'est quand même très très formaté, et que si tu t'écartes un petit peu des standards, forcément pour gérer ce que t'as à mettre en avant auprès, entre autres des partenaires, des trucs comme ça, c'est vraiment le bordel, quoi. Ouais, formaté, oui, à un point, bien sûr, mais c'est des codes qui sont repris, qui sont intégrés vraiment par les gens, qui sont repris aujourd'hui sur YouTube sans problème par les plus gros des amateurs qui cherchent vraiment à reproduire ces codes, c'est assez marrant. Mais c'est pas forcément un souci, tu vois, tout dépend de la manière dont tu t'en sers toi-même de ces codes. Ce qu'il faut voir, je pense, c'est que je sais pas comment te le dire, mais... en télé, tu peux faire ce que tu veux, mais c'est plus dur de montrer quelque chose d'indépendant, parce que la vidéo, et tu le vois quand tu essayes d'avoir les moyens sur YouTube, ça peut te faire une référence, ça demande énormément de boulot. C'est aussi pour ça que c'est beaucoup plus facile de faire juste de l'audio sur France 5, évidemment, même si l'audio en soi, c'est aussi beaucoup de boulot. Donc, la télé en soi, ça peut apporter des choses très riches. Le fait qu'on regarde tous les spectateurs, on regarde tous ensemble, quelque chose de... T'as une partie communion un petit peu, rendez-vous, où tu sais que tout le monde va la regarder ensemble. C'est quelque chose, ça, par exemple, ça que tu retrouves sur Twitch. Tu regardes un stream, tu sais que les gens sont en train de le regarder en même temps que toi. Ça, c'est cool, c'est important. Et ça reste un média puissant encore aujourd'hui, mais disons que y a un vrai gap de génération en fait, qui est autour de la 40-50aine,
Et on peut dire que la télé est un média pour les gens plus âgés, c'est clair. Ça veut pas dire que tu peux pas faire des choses intéressantes, mais économiquement c'est tellement difficile, faut vraiment aborder ça à une échelle mondiale en distribuant ta chaîne dans d'autres pays, que je suis pas convaincu que ce soit le truc à faire en prio. Mais c'est sûr que être une chaîne de télé par rapport à juste une chaîne YouTube par exemple, ça te donne énormément de facilité au niveau de canaux d'accès, des choses bien établies au niveau du travail, tout simplement. Voilà, tu sais, c'est une chaîne de télé, tu sais qu'il y a un type d'audience, tu sais que tu pourras travailler des choses au niveau chiffres avec les éditeurs, les annonceurs publicitaires, en fait, tout simplement. Nous on n'a pas eu de problème à trouver des annonceurs en pub. J'en viens au cœur de ta question, mais ils s'en fichent vraiment de ce que tu fais sur ta chaîne. Ce qui est important, c'est juste l'audience et les démographies qui sont attachées. D'accord. Donc on a eu des gros annonceurs de marques tout à fait classiques, aussi bien de fast-food que de cosmétiques. C'est dommage que j'ai pas le jingle Fertilinette sous la main, tu l'aurais. Mais par exemple, enfin ça c'était pas le problème, tu vois. J'ai envie de dire, le problème il est un petit peu plus structurel, dans le sens où c'est pas un milieu où il est facile d'être indépendant. Non, c'est pas dire. Les coûts sont importants. Et les revenus sont très durs à atteindre. Une chaîne met normalement un paquet d'années avant de devenir rentable. Vraiment, c'est long, c'est difficile, c'est dur d'installer une chaîne dans les habitudes des gens, de visionnage, tout simplement. Vous avez quand même tenu 11 ans, mine de rien. Ouais. 11 ans à porter ça sur les épaules, 24. Mais avec de l'aide de plein de gens, tu prends pas compte, des spectateurs derrière. Mais... Non, mais c'est juste un média vidéo. Il y aura toujours, si tu veux, du média vidéo, évidemment. Le mode de consommation sera un petit peu différent. Je pense qu'aujourd'hui, même les plus grandes chaînes n'existent pas sans leur SVOD, sans leur rattrapage, avec des habitudes ancrées derrière, et ça fait partie de leur pack au niveau vente de pub, tu vois. Ouais. Et elles ont évolué, il y a moins de staff, il y a moins de dépenses engagées, ma foi. Et puis maintenant, en plus, on peut faire justement avec tous les outils numériques qu'on a, les réseaux, les YouTube, Twitch et compagnie, on peut très facilement monter. Oh, bah, je me regarde moi, une chaîne. On peut facilement monter une chaîne avec un minimum d'effort et avec un minimum de cohérence, faire un truc qui tient à peu près la route sans trop de difficultés, quoi. Donc ça veut dire que oui, ça a complètement muté. Et en fait, la télévision, c'est devenu un petit peu une, entre guillemets, une TSF, quoi. Ouais, mais avec des choses qui seraient dommage d'abandonner. Et qu'il faut qu'ils seront conservés tout simplement parce que c'est bien, parce que ça marche. Que ce soit la synchronicité de diffusion, la facilité d'accès. Mais bon, enfin voilà, je m'en fais pas trop. C'est pas un cheval de bataille. Une question plus perso qui me turlupine. Est-ce que tu crois qu'un jour les streams. Enfin, parce que vous avez quand même 11 ans d'archives vidéo, quoi. Qui sont quelque part maintenant. Bah c'est elles sont dans le process de liquidation. Hein. Est-ce qu'un jour tu penses qu'il y aura une chance d'avoir quelque chose, une base, je sais pas. Moi par exemple The Big Game of Ski, tu regardes, les émissions sont en Creative Commons, donc j'annonce clairement la couleur. Et le but en fait c'est d'avoir une base de données sur les shmup visuels qui traversent les années, qui serait consultable n'importe quand, par n'importe qui, n'importe où, tranquille. Et moi quand je vois tout le boulot que vous avez fait pendant 11 ans. Qui est monstrueux quand même, faut le dire. Bah ouais, mais ça fait partie. Enfin, je connais très bien ta question parce qu'on la pose souvent. Ça fait partie de la liquidation. Là, c'est pas. C'est un actif de. Ça appartient à la société qui est en liquidation. Et mais les droits sont compliqués. Donc je sais pas ce qu'il en adviendra. On verra. D'accord. Wait and see. Mais je continue d'être sollicité sur la liquidation régulièrement. Pas tous les jours non plus, mais à des délais réguliers, c'est des processus extrêmement longs.
Ok, bon, il y a toujours Philosoma qui tourne au fond, effectivement, il fait plus de 40 minutes et ça doit être le boss final, ça, dis donc. Ouais, là, on a une partie où, effectivement, l'escadron s'est introduit au cœur de la planète et trouve le vaisseau mère. Comme tu vois, il y a encore quelques rescapés. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, en 95, quand il devait avoir ça sur la PS1, quand même, il devait tirer des drôles de tronches. Ça devait être... C'était joli, tu vois, t'as des effets de transparence... T'avais des effets un petit peu d'horreur alien. Ah ouais, non, mais c'est incroyable. Il aperçoit que, en fait, les œufs aliens, en fait, si je ne m'abuse, c'est les cadavres des habitants. Comme tu spoil. C'est ce qu'on vient de voir. Hein, Et il y a un jeu particulier que tu attends, tiens, pour rester quand même dans les choses qui vont arriver. Un jeu pour lequel, tu sais, tu vas réserver un espace de temps non négligeable. C'est une excellente question. Et en fait, il y en a plein de jeux. C'est ça le problème? Il n'y en a pas là tout de suite. Bah écoute, c'est l'avantage de correspondre sur le PC. Je peux t'ouvrir tout de suite mon Steam. Mais moi aussi, j'ai ma wishlist des trucs que je marque un petit peu. Évidemment, l'extension de Monster Hunter World, ça, c'est sûr. Là, effectivement, je suis moins dans le que j'avais sur No Life où je gérais les sorties de. J'étais le rédacteur chef de jeux vidéo sur la fin, tout au début de la chaîne, mais aussi sur la fin où j'étais. Ça faisait partie de mon travail d'être complètement dans le truc. Donc là, je suis moins dedans, surtout avec Factorio qui m'occupe. Mais il y a quelques jeux, Katana Zero par exemple, un jeu indépendant qui a l'air assez excitant. Et My Friend Pedro, le Max Payne-like, qui a l'air assez rigolo aussi. Il y a pas mal d'initiatives intéressantes qui vont sortir, je pense, cette année. Et puis, on en saura plus évidemment dans pas si longtemps, dans 2 mois, en juin, avec le 3. Et c'est vrai que ça fait un petit peu. C'est possiblement des choses très sympas qu'on aura à l'E3. Oui, un truc que j'aimerais bien voir le plus vite possible, mais pas trop, parce qu'il faut qu'il soit bien quand même, qu'ils prennent le temps de le faire bien, c'est The Game Bakers qui ont fait Fury, qui prépare un jeu qui s'appelle Haven, sur un couple voilà, qui est sur une planète abandonnée. Et moi, je suis complètement tombé sous le charme de ce jeu. De leur intro, de l'univers qu'ils ont créé. Et je t'avoue que je suis très très hypé pour Haven. Voilà. Une espèce de survival donc, un robot de l'espace. C'est un petit peu plus subtil que ça, ça va pas être aussi tourné survival qu'on pourrait l'attendre. T'as un côté clairement, comment dire ça, c'est plus une relation entre les deux persos sur cette planète et des deux amoureux quoi, façon RPG plus que survival, mais on n'en sait pas encore tant que ça, c'est prévu je crois pour 2020 et je pense que c'est un titre à surveiller. Ok Dak, oh là là, regardez-moi ça la fin. Nous sommes sur le final. Donc si vous vouliez vous faire Philosoma, les amis, on voulait un petit peu spoiler, mais Edune, on a un invité de marque, ça fait toujours plaisir. Et Dédé, vous aurez vu le produit en entier pour voir s'il vaut le coup. Alors effectivement, en 2019, ça peut prêter à sourire, puisque on peut pas apprécier le niveau de performance technique que ça donnait. Du tout, non. Mais alors, pas du tout. À la limite, si tu le joues sur un émulateur avec en augmentant la résolution et qu'il arrive à être bien géré, mais... Et en tout cas, il y a quand même des choses dans Philosoma qui ont été... qui sont des one-time, quoi. C'est ça qui est fou. Le changement de caméra... les fins différentes suivant le niveau de difficulté, au niveau...
c'est arrivé hein, par le passé et ça arrivera toujours. Hein. Mais là, c'était un petit peu plus orienté, ça touche au scénar en fait, si tu veux, la manière dont tu finis avec les aliens, ça change un petit peu. Ça serait quand même dommage de mettre complètement de côté ce titre. Je pense qu'il a sa petite place. C'est une place bizarre. Mais elle est là, elle existe. Et alors, tu sais quoi, en reprenant mes notes là pour enregistrer cette émission sur ce jeu, j'ai découvert avec une stupeur vraiment stupéfactante qu'il y avait une suite à Philosoma et qui n'était pas un shmup. Qui s'appelle Phase Paradox. Phase Paradox, exactement. Mais pour un fan autoproclamé du jeu, c'est complètement dingue d'être passé à côté, mais c'est ce qui m'est arrivé. Mais voilà, ce qu'il y a, c'est qu'ils ont fait un survival horror, et là, ça, c'est pas du tout, mais alors pas du tout mon genre. Donc, je pense que c'est pour ça que je l'ai loupé. Il est très très mauvais, hein, apparemment. C'est un sous Resident Evil de ce que j'en ai entendu. Dans l'espace. Ah, c'est une franchise un peu maudite. Mais bon, c'est des gens qui ont plein d'idées quand même, c'est ça qui est assez génial. Moi, j'aime beaucoup quand même si l'exercice est difficile, chroniquer des jeux qui sont, on va le dire, ratés, mais où tu sens quand même le désir qu'avait la team dev derrière. Et donc, tantôt, ils n'ont pas eu les gens, tantôt, ils n'ont pas eu les moyens, mais ils ont essayé. Et c'est ça qui est quand même génial dans l'univers du jeu vidéo, c'est que si le produit est même un peu foiré à la fin, tu sais que les gars ne partaient pas avec quelque chose de néfaste en tête, quoi. Ils avaient ce potentiel de créa qu'ils avaient besoin de partager, tout simplement. Et c'est le gros truc génial du jeu vidéo, c'est cette histoire de partage quand même à la base, qu'on retrouve dans peu d'autres domaines quand même. Ah, je sais pas, mais c'est fait partie effectivement du process et de découverte par les fans. Ah, c'est... Écoute, voilà, on a Osoma qui avait quand même un score de 27 sur 40 à Famitsu à sa sortie. Famitsu qui est bien connu pour être généreux, donc ça veut dire qu'ils auraient vraiment, vraiment pas aimé. On a Phase Paradox qui, je crois, a une étoile, enfin c'est vraiment un score ridicule, mais ça je n'y ai même pas joué, je ne peux pas dire. Mais voilà, il y a des jeux. Clairement, ou même si le jeu est pas génial ou n'a pas vraiment ses lettres de noblesse dans le monde du shmup, il apporte quand même des choses et tu vois, bah, y a des gens quand même qui peuvent kiffer. Et moi, j'assume complètement que Philosoma, j'aime bien. Eh ben, merci en tout cas, Sébastien, d'être passé partager ta passion pour ce titre. Ça fait super plaisir. Je t'en prie. Merci de nous avoir. Ramener des bons souvenirs de No Life aussi, parce que je pense que beaucoup, beaucoup le portent encore très fort dans leur cœur. Ben oui. Ben, il faut juste. Enfin, c'est... Même si on est triste que ça soit fini, on est quand même très, très, très content d'avoir pu faire ce qu'on a fait et d'avoir pu partager tous ces moments. Donc, c'est cool. Et c'est puis, cool. Rendez-vous à la Japan Expo pour les gens qui iront. Oui, j'essaierai de ramener mon blouse en rouge et on va essayer d'avoir des trucs bien pour France 5. Il va falloir travailler les pauses un petit peu quand même, c'est important. Ça va, ça. C'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Et puis nous, on va se quitter sur un petit bout de stream. Vous verrez, c'est une surprise pour terminer l'émission. Je vous remercie, à bientôt Seb, ciao tout le monde. Bye bye. C'est donc le game over fatidique. Il est temps de nous quitter. Il nous aura tenu en haleine 37 minutes, presque 40 minutes. Mais tu n'auras pas été plus convaincant que ça, mon bon jeu. Ah bah, il faut ses initiales, bien entendu. C'était donc Air Shark qui va finir au grenier avec toutes les antiquités accumulées depuis bientôt 50 ans, là, ce rythme-là. Et donc, hélas, concernera uniquement les fans de Muséum. Sur ce, je vous fais des bisous. Je vous invite à vous tenir au jus de ce que poste... Pourquoi je n'arrive pas à sortir de ce truc? De ce que poste la chaîne. Vous avez d'ailleurs, si vous manquez d'inspiration, ce canal-ci qui peut vous intéresser, ou bien ce canal-là. Drame
en live en temps réel. Nous sommes jeudi, c'est ça, il est 0h passé et le canal de nos lives vient, le faisceau vient d'être coupé. Et voilà. C'était une belle aventure, fallait que ça arrive. J'espère tout le meilleur du monde à toute l'équipe, qu'il arrive tout ce qu'il mérite, c'est-à-dire avec une passion comme moteur pareil, j'ai aucun souci à me faire pour eux. Et je pense que les gens qui les regardaient les retrouveront assez rapidement sur pas mal de choses différentes. Des bisous sur cette mauvaise nouvelle encore, dommage, c'est pas grave. On se retrouve nous demain parce que j'ai personne qui me coupe mon faisceau et vu que j'ai une grande gueule, je crois que vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Je vous laisse avec ces deux propositions de stream si ça peut vous intéresser. Ciao, prenez soin de vous.